of you are smart enough to find my treasure. Here's a clue. You'll need the strength and wit of Hercules. Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG et CoinZ3E, bien sûr. Évidemment, toujours là. De nouveau là pour ce nouveau jeu d'objets cachés qu'on va faire tous ensemble, à deux, et comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, ouais. Voilà, et on est impatients, comme tous les premiers épisodes. Comme les premiers, voilà. Et après, à la fin, on en a marre. Peut-être pas assez. Donc ce jeu s'appelle Sea of Lies, la mutinerie du cœur, voilà, donc jeu de Epix, comme vous avez vu. Donc une boîte qui a fait plein de jeux, d'ailleurs, si vous cliquez là, voilà d'autres jeux qu'ils ont fait. Ah putain, ils font leur pub. Ouais, en plus. Donc Amarantine Voyage, c'est des trucs, ça se passe, c'est un petit peu des contes fantastiques, tu sais, dans des mondes incroyables. Final Cut, ça se passe, c'est toujours à propos du cinéma ou de la télé, tout ça. Il y a une intrigue comme ça. Of the Record, c'est des trucs normaux. Myths of the World, ils sont très bien aussi, et ça, je connais pas. Donc voilà. Ok. Écoute, j'ai envie de dire, si le jeu nous fait forte impression et que les gens ils ont bien kiffé, bah on pourra enchaîner avec ceux-là. À toucher dans le cinéma. Voilà, j'allais dire ludothèque, mais oui. Ludothèque. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, voilà. Truc à préciser encore, parce qu'on n'est pas sur la chaîne de LPG pour rien, édition collector. Ah, c'est ça, bien sûr. Toujours édition collector à chaque fois que évidemment. Je peux. Donc ça rajoute quelque chose particulièrement. Ça rajoute, alors on a les bonus là. Donc il y en a pas mal d'ailleurs des bonus, vous allez voir. Ah, on aime les bonus. C'est clair. Ça met longtemps à charger. Parce que ce jeu est assez bizarre. C'est parce moi que... ou c'est toi? Parce que ce jeu, en fait, je l'ai depuis longtemps. Et sur tous les autres PC que j'avais avant, il ne marchait pas. Genre, je cliquais sur jouer, et ça me ramenait tout de suite au menu. j'ai des jeux comme ça, et du coup, je me dis. J'ai jamais pu jouer. Genre, j'ai envie de PC pour pouvoir y jouer, quoi. Ouais, là, j'ai changé. Mass Effect 1, pardon. Mass Effect 1, je peux y jouer. Pourtant, je l'ai depuis. Ah ouais. Donc là, je peux y jouer. Donc, vous avez de la chance, vous voyez, vous pouvez apprécier ce jeu. Soyez contents, hein. Donc voilà les bonus, donc on a le chapitre bonus bien sûr, on va faire à la fin. Des images, donc c'est des fonds d'écran et des images de la création du jeu. Donc, c'est sympa. Les mini-jeux à refaire, les scènes à refaire, si jamais on en a pas assez. Ouais bon ça je pensais. La musique qu'on peut réécouter, les cinématiques qu'on peut revoir et un making-of du jeu, en vidéo. Mmh. Donc voilà ce qu'on c'est verra bien. À la fin du jeu. C'est bien ça ouais. Donc voilà. Est-ce que tu peux cliquer peut-être sur mini jeu pour voir le nombre qu'il y a, mais non. Non, ça, ça se débloque à la fin, je crois. Faut qu'on les fasse une fois pour que ça soit dedans. Ok. Ça, j'aurais bien aimé voir ça, genre un peu le visuel, voir à quel point ils en ont mis beaucoup, tu vois. Ouais, non, ça va. Mais bon, on verra. Donc voilà, donc vous avez vu dans la petite cinématique là de quoi parle le jeu. Eh bien, il parle, déjà, c'est une histoire vraie, ce que vous avez vu dans la cinématique. C'est le pirate, donc le nom du pirate en fait c'est Levasseur. Et ce pirate. Il a été exécuté pour piraterie, et juste avant d'être exécuté sur la place publique, il balance dans la foule un cryptogramme, et il dit « Si vous déchiffrez ça, vous trouvez mon trésor. » Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a trouvé le trésor. Okay. Ouais. Mais on voit que c'est la version beaucoup plus individuelle de tout ce qui est genre One Piece, ou même le cinéma, Ready Player One. Donc c'était en mode genre « Il y a un truc, cherchez-le, et tout le monde peut le faire », alors que là, seulement celui qui a la clé, après, c'est on peut essayer de chercher. Donc c'est con si c'est sur un mec qui galère, c'est clair. Moi jamais. Donc là dans le jeu, c'est un collier, c'est pas un cryptogramme. Donc tout le jeu, c'est pas du tout, c'est inventé hein, le jeu. Il y a juste le début qui est basé sur. Le contexte est. Ouais c'est ça. Ouais, okay. Point de départ c'est. Ouais, c'est pas mal. On a des trophées aussi. Ah. Donc les trophées c'est tous les petits trucs. Tenté le 100%. Donc terminer une scène sans mauvais choix, c'est-à-dire en cliquant tous les trucs. Finissez une scène en moins de tonodime 3 minutes, machin, truc, voilà. Et voilà, c'est tous les succès, on va essayer d'en faire un peu plus. Après on vise pas les 100% mais... Non, non, bah même moi tout seul j'ai pas réussi à les avoir donc... Ouais. Parce que je crois qu'il y a... Enfin, y en a des bizarres des trophées, vous allez voir. Et donc Sea of Lies, donc, c'est une série de jeux, il y en a 6 jusqu'à aujourd'hui de Sea of Lies. 6 en 5 ans à peu près, donc oui. Si jamais ça nous plaît, on pourra. Ah, bien, si on se lance dans cette aventure-là. C'est clair. On est là pour 2-3 ans. C'est ça. Voilà, donc j'ai fait mon petit profil, machin, ok, c'est bon. Donc on peut y aller. Hein. C'est parti. Ouais, alors on a mode facile, normal, expert. Moi j'ai fait normal, on va faire normal. Ouais, je me casse pas le cul de toute façon. C'est clair.
De toute façon, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de problème. Après le jeu qu'on s'est tapé, on avait besoin de trucs simples. Ouais. Moi, en général, je mets toujours en mode facile parce que j'ai pas envie de galérer pour rien. Ouais, moi aussi. Ouais. Jeu. Et quand je mets le difficile, c'est... je le ferai une seule fois dans ma vie. Quand je fais Dishonored 2. Ah oui. Dishonored 1. Pardon. Dans le 1, en fait, le mode de difficulté ne change que à quel point les ennemis tapent fort. Ah. Ou ce genre de choses là. Dans le 2, ça change un peu la détection. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Ah ouais. Mais du coup, si on veut jouer en mode full furtif, le 1 peut le faire en très difficile, ça changera absolument rien. C'est cool ça. Voilà. C'est cool. Ça va. Ouais, de toute façon, on peut changer à tout moment dans le menu. Donc, C'est parfait. Donc, on reprend. Prêt. Nouvelle aventure. Nickel. Hein. C'est parti. On a fait une longue intro là. C'est clair. J'aime bien le truc de chargement. C'est... Ouais, j'avoue, propre. Donc, il est plus récent que le jeu d'avant. Hein. Celui-là, il date de 2013. Ce jeu. Attention, on va le juger à la même enseigne par contre. Hein. C'est clair. Faut pas exagérer. Alors, question, c'est ce qu'il y a une cinématique de cinématique. Ah, c'est juste lui qui court. Voilà. Il y a des bruitages ou je l'ai fait. Non, il y a rien. Alors nous voilà, alors on frappe à la porte. Vous entendez? Qui ça peut-il bien être? C'est lui. I know you told me to stay away from the institution, but I had to go. And t'y es allé, ouais. This famous pirate. Before they got him, he threw his necklace into the crowd and said something about a treasure. But I caught it. I thought you'd want to take a look. Ah, merci. It's a really weird necklace. T'en est tellement important que c'est lui qui fait faire le seul. My parents will have my hide. C'est clair. Parce que c'est tes parents en plus. Et tes parents, ils savent que tu voles des trucs. Pour le compte de quelqu'un. Pour des gens, ouais. C'est bizarre. En vrai, l'interface est vachement classe, je trouve. Ouais. Alors, interface, justement. On super a le... flashy. Ouais. Mais j'aime bien. On a l'inventaire ici, donc classique. On a le petit journal là. Une exécution s'est tenue ce matin. Ce fameux pirate français, il était français en plus, le pirate. Ah. Et t'as capturé. La France. La France. A été capturé et pendu en place publique, je me refuse toujours à assister à ces monstruosités populistes, mais Jimmy, un garçon, s'y est rendu. Ah voilà, c'est que je n'aime même pas voir les exécutions. Il raconte qu'avant d'être pendu au écourt, le pirate a jeté un étrange collier parmi les badauds. Jimmy, ce petit chelapin aussi vif qu'un écureuil, s'est apprécié de le rapporter. Okay. Ce qui est drôle, c'est que le mec est pendu, du coup, je suppose qu'il était en prison avant et tout, mais on lui laisse son collier quand même. On lui a dit, bon, hey, c'est le tien, je te laisse jusqu'à la mort. Il est joli, on te le laisse. J'avoue qu'il est bon en plus. C'est vrai, il y a pas mal, aucun garde qui a voulu le voler pour le revendre. Et on a nos objectifs aussi, voilà, donc examiner le collier, comme ça on saura quoi faire. S'il faut. Parfait. Donc le menu, le guide donc, de stratégie si jamais on est bloqué. L'indice là, les trophées qu'on peut revoir en cliquant comme ça. Là. Ouais. Et on a aussi des trucs à récupérer à chaque endroit où on est, c'est-à-dire ces petits trucs là, vous voyez, c'est des petits parchemins bizarres. Et ça. C'est de la collection ? Ouais. Donc ça s'ajoute dans le livre qui est là. Okay, c'est comme quand on avait fait le truc, il y avait des roses à trouver, des crânes aussi. Ouais, on en a fait des comme ça, ouais. Donc là, vous voyez, chaque petit truc, c'est une lettre de l'alphabet. Et en fait, à la fin, quand on aura tout, chaque petit truc, c'est une information sur la légende, justement, du pirate. La vraie légende, cette fois. Oh, c'est bien, ça. Donc ça vous expliquera un petit peu ce qui s'est passé après. En vrai. Ah, on va aller chercher la France. Ouais, c'est clair. Faut savoir. Il y en a un dans chaque endroit. Bah, c'est bon à savoir, ouais. Voilà. Voilà un petit peu le jeu à quoi il ressemble. Franchement, il part bien. Ouais, il est très sympa. Après... Alors on a ça. Pas de clé. Mais qu'est-ce qu'on a là? C'est le mec qui est chez lui mais il a pas les clés. Si, les clés. Heureusement. Et là... J'avais pensé, je faisais jamais mystérieux, on va poser ça là. Il faut une loupe. Et justement, on va trouver la loupe dans le... Non, on a déjà la loupe, regarde, c'est quand tu mets des... ah oui. sur quelque chose. Le curseur, ouais. En vrai, t'as déjà des bijoux sur toi, je vois, avec la petite main que t'as. Oui, la main, elle est pleine de bijoux. On est une femme. Ouais. C'est une époque glorieuse pour nous, on va dire. C'est clair. Pas juste un pauvre enquêteur qui va faire les égouts. Non, ça va. Les premières scènes. Allez. On va vite, du coup, enfin pouvoir savoir à quoi ça ressemble dans ce jeu, quoi. Enfin, pour moi, c'est clair. Alors, il y a plein de... À quoi correspondent les couleurs? Alors, les couleurs, on va expliquer. Alors, le jaune, c'est quand c'est caché. Par exemple, les champignons, t'ouvres là, et t'as les champignons là. D'accord. Voilà. Le coffret à bijoux, c'est ça. Et il faut faire un petit truc, tu vois, faut trouver les formes. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, il faut reprendre après ça. Et les trucs, il faut faire quelque chose aussi avec les rouges. D'accord.
mais qui est en rapport avec l'objet, je suppose, là où les champignons étaient juste cachés. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Et il y a possibilité aussi, si jamais on en a ras le cul des scènes, de switcher pour faire un match 3. C'est-à-dire retrouver les. Ça fait quoi ? Ça résout la scène à notre place si on Oui, parce que les petits trucs entourés, si tu les fais péter, ça enlève des mots. Oh, c'est génial ! Voilà. Si t'en as ras le cul, puis tu peux. Ça, c'est un bon principe quand on fera notre jeu un jour. Ah, c'est ça. Sur l'autre jeu d'avant, ça aurait été bien ça, qu'on puisse changer. Ah, j'avoue. T'as un jeu trop chiant, hop, ils te mettent un autre qui est un peu plus sympa. Ouais, c'est clair. Ah, c'était bien ça. Donc là. Bon, du coup, ça veut dire un peu de défaite parce qu'on on trouve pas les objets, mais. Je sais pas si je peux vous montrer. Hein. Attendez. Voilà. Ouais, celui-là, si je le mets là, paf, ça pète le truc et ça enlève un mot. Ouais, c'est dommage qu'on l'a pas trouvé, mais c'est pas grave. Donc là, de toute façon, on peut retourner à tout moment là ou là. Ok. Voilà, voilà. On va faire la scène. Ok, parfait. Bon, on peut faire la Bloc of Rabbit, si tu veux. Ouais, on va faire ça. Alors, la deuxième forme, elle est pile au milieu. Ça ? Ah oui, ça. Ouais. Il y a ça, en là. Casier, en haut, juste au-dessus de là où t'as trouvé le dernier objet, t'as une loupe, une montre à gousset. Ouais. Ah. Le nœud, c'est ça. La libellule, elle est tout au milieu en haut. La fleur est tout au milieu en bas. Ah oui. La ballerine, elle est sur le côté où t'as trouvé la montre à gousset. Mmh. Au milieu où t'as truc bleu, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Ah, bah c'est un nom ça. C'est les colliers c'est avec. C'est un petit médaillon. Ah, c'est un vrai nom. Bon, broche, non. C'est gothique, hein, mais. Non, c'est un vrai nom. Le collier en bas aussi. C'est encore une montre ça. Non, c'est quoi. Non, c'est, ah, non, c'est la coquille. La ouais, perle. Ouais. T'as dit quoi. T'as les gants et les qui sont en bas à gauche et t'as le collier en bas. Nice. Franchement simple. Et là on récupère. Et pour l'instant cohérent. Donc on te demande des trucs qui sont normaux d'être là. Mais bon, après, coffre à bijoux, t'enlèves les bijoux, tu prends le coffre. Voilà. Parfait. Écoute, toujours l'argent. Hein. Par contre là, ça il y a. Faut quoi, le casser sans doute. Pression pour voir ce qui se passe. Ouais, possible. Il y a un truc ça là. Non, pas ça. La loupe elle était posée au même niveau que la tasse. Blum. Bah, la pression. Ouais. Pression. Il y a le marteau. Ouais, c'est ça, t'as une. C'est un marteau, t'as l'impression. Lion, je pense boîte que c'est. Ça c'est en bas à droite. Sur le mur derrière, t'as un truc pour toquer. Et d'ailleurs, juste à côté, t'as peut-être des cornes. Ah, boîte serre. Ouais, c'est ça. Même si ça aurait pu être ce que t'avais trouvé à la base, je crois. C'est quoi, il faut fromage et une souris là, ça. C'est pas ça. Dommage. Ah, attends. La chope en métal, elle est pile au milieu, en bas, si tu veux. Ah oui. Et là, il lui manque une aile à qui ? Ah, au. Je croyais la fleur, ça. Une aile à une la fleur ? La fleur, on n'a pas d'aile. Ah, c'est le petit truc derrière. Elle est en bas, au niveau de la bougie, si tu veux. Ah oui. T'as elle est perspicace, là, je fais. Ah voilà, statuette c'est cassée. Faut que je fasse bonne impression. Tac. Je fais de bonne impression, comme ça, les gens ils disent, oh, il est fort, lui. Mais pourquoi on aurait besoin de casser ça pour avoir du fromage ? T'as une deuxième tasse derrière, presque que ça. Ah non, c'est la balance, il parle de la balance, putain. Faut des poids. Oui, faut des poids. Ouais, t'as un poids, ouais, voilà. Ah non, c'est pas un poids, ça. Au-dessus, sinon, au niveau du marteau, peut-être. Non. Ou attendez, là, oui. Ah oui, ça, c'est un vrai poids, ça. Ah, le fromage était à côté, sur l'autre. Et les gens, ils pouvaient pas décaler la tasse, quoi. C'est ça. Il sentait qu'il y avait toute chose derrière, il fait, il faut que je mette un poids dessus, là. C'est clair. Et toi, les poules. Oui, elle est en haut, à gauche. Ne confondons pas ma porte à gauche. Et l'étoile au-dessus du rat. Au-dessus du rat, ah oui. Putain, les gens ils vont voir le premier épisode, ils vont dire, mais ce mec, ah, on a un trophée. Là, une socle sans indice, voilà. C'est le premier succès. C'est facile. C'est clair. Dommage, parce que c'est infacile ça. Si on avait débloqué déjà le truc du temps, ça aurait été mieux. Ouais, bon, c'est clair. Faut pas trop demander à la première scène, le mec fait tous les c'est objectifs. Clair. Ah, en fait, c'est un gouvernail, non c'est... Le collier, ouais. Ça ressemble. Ouais, c'est trop la classe, hein. Je veux le même. Observons. Et on a un mini-jeu. Yes. Et là, c'est bien parce qu'on a mis le jeu avec des instructions, regardez. On nous explique ce qu'il faut faire, par exemple, comme l'autre jeu de merde. Non, c'est clair, Amandia a un chien à trois têtes. Je vais changer la position des pièces jusqu'à ce que l'image soit reconstituée. Il me suffit d'en prendre deux pour les permuter. Parfait. Là, c'est clair, j'aime c'est ça. C'est clair et net, voilà, c'est parfait. Alors. Donc bon, pas... Mon avis, t'auras pas trop besoin de moi. Il a dit que c'était quoi ? Un chien à trois têtes. Un chien à trois têtes, ouais. Donc là, il y a la gueule d'un, là. Ouais, t'as... Ouais, voilà. Non, je pense que t'auras pas besoin de moi. Ouais, non, c'est vrai, je pense. Ça va être voilà. Très facile, à mon avis. Enfin, très facile, je sais pas, mais ça va être facile. Ouais. Non, c'est pas là. Là, il y a le... Ah, il y a les pattes, là. Oui, là. Ah, mais on peut changer, ça, aussi. pas du tout. Il y en a un jaune. Ouais, jaune, c'est son dos. Ici.
Ça, c'est peut-être là. Ouais. Là, ça doit être bon. Ça, bah, la première ligne, pour moi, il faut rajouter la tête que tu viens de déplacer, elle est en haut à gauche pour moi. Ah oui. Ouais, là, il y a la tête là. Parfait. Ça, c'est là. La pièce tout en bas, voilà. Ouais. Et la pièce en or aussi, la montée de 1 cran. Et voilà. Magnifique. Un succès, là aussi, non? Ça, c'est un bon petit jeu, bien expliqué. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Putain, ils sont des SNQ et tout, hein, des vrais, des bonnes SNQ et tout. Je suis pas très enthousiaste pour ce jeu. J'espère que la chute sera pas trop forte. C'est clair. Scully semble réagir à son environnement. Non, c'est ok. Encore, oh, putain, mais c'est qui toque encore là? Frodon, rentre chez ta mère. Ah non. Bonjour. Madame Adams, I presume. Ouais. I'm Jonathan Black. Baron the Fae's groomsman. He requests your presence. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut le trésor aussi. Il sait que on t'a ramené quoi. Your carriage has arrived. You can't keep the baron. Puis après, vu que tu vas pouvoir parler, il va te faire pendre, et puis au moment de te faire pendre, tu balanceras le collier. Ouais, c'est clair. C'est pas fini. Putain, c'est en plus ça là, c'est bien, pas mal. On les voit parler, c'est incroyable. Ok, alors 2 secondes. 2 secondes, je lis mon livre. Je lis, s'il te plaît. Ce collier est attends, tout à fait. Contre, elle est amoureuse de Frodon ou pas? Parce que t'as un petit cœur qui retient. Ah oui. Qui retient, c'est en forme de cœur. Amoureuse d'un ado, c'est. Détourne pas les gosses. Ce collier est tout à fait inhabituel, je n'en ai jamais vu tel. Il porte l'image de Cerbère, le chien à trois têtes qui est un des enfers grecs. Alors que j'examine soigneusement, une lumière a émané du collier. Je ferais mieux de le garder sur moi. Bah oui. Ok. Donc on l'a là en fait. Et d'ailleurs, autre truc aussi marrant, c'est que quand elle a dessiné les trois formes, là, les trois ronds, dans ton carnet... Dans le journal. Ça fait très... merde, retour vers le futur. Ah oui. C'est le réacteur, il est symbolique. Ah oui, comment ça s'appelait voilà, ce truc comment il s'appelait le réacteur? Je sais plus. Ah si. Merde. Comment il s'appelait? Voilà, moi je t'ai amené le truc, j'en sais pas plus. Attendez, faut que je me revoie les scènes du film. C'est ça qu'il l'a imaginé dans les toilettes en se prenant un truc dans la tête, je crois, je sais plus quoi. Le truc capacité de flux temporel, non, je sais pas quoi. Vous direz en commentaire. Faut que je regarde sur Google, j'ai besoin de savoir. Le mec ne veut pas attendre. Alors, retour vers le futur. C'est le retour des apartés. Ils vont être terribles s'ils font des réponses comme ça partout. Hein. Non, c'est pas le générateur du futur, c'est le truc qui est... Tu mets juste réacteur sinon. Ouais. Convecteur temporel. Ah. Oui. Je crois que c'est ça. Non, je sais même pas si c'est ça. Ouais, ça. On s'en fout. Désolé pour cet aparté. C'est moi qui l'ai. Qui l'ai ouais, c'est de la faute à Coinzel. Remercie-moi. Donc en fait, ouais, sur le. Il y a 3 emplacements là. Et donc avec ça, tu vas voyager dans le temps. Ouais. En atteignant. Une certaine vitesse. Putain, on a eu encore un succès. Je sais pas, j'ai trop sauté d'une falaise avec ça à la main. Ah non, t'as des flammes qui se forment et... c'est clair. Je pars un peu loin, là. Est-ce que... Ouais, je pars un peu loin, ouais. Bon, bah, alors, monsieur Black, c'est ça? Oui, monsieur Black. Allons-y. Le mec nous voit délirer tout seul et on va genre, waouh, suivez-moi, s'il vous plaît. C'est clair. Ah, qu'est-ce que tu veux? Just sit back and enjoy the ride. Ah, c'est ce que je fais. It's an honor to receive a summons from the Baron. He doesn't call just anyone. Qui dame? He never forgets those who help him. And he always remembers those who stand in his way. D'accord. C'est bon savoir. Après, c'est des paroles, hein, ça se trouve. Ouais, c'est clair. Please grab your things. C'est plus qu'à demander l'exécution. Hein. For you in the hallway. Ouais, c'est peut-être. Sale gars. Ah, j'ai vu coincé à l'avant, t'as un petit symbole. Ah oui, là. Ok. Donc, il a dit quoi l'objet? Rencontrer le baron le fait. On va le faire. C'est notre carte? Ah, c'est notre carte. Sympa. Ah, donc position actuelle, on est là. Objectif là-bas. Ouais. Ah, c'est propre, hein. Ouais. Et vous avez quelque chose à faire. Alors ça, j'y ai jamais vu afficher ça. C'est censé t'indiquer où t'as un truc à faire, mais je l'ai jamais vu en fait, donc on va faire ça. C'est parce qu'on nous fait jamais revenir en arrière, et donc dans ce cas-là, on fait tout au fur et à mesure. Explorer.
Voilà. On s'est cherché un symbole qui n'affichait nulle part. Bon, bah. C'est ça. Manche de canne. Okay. Je vous prends ça, hein. Ça vous dérange pas? Ouais, c'était à nous déjà. Il manque un truc, non? Deux objets ronds. Ah ouais, les petits trucs comme ça. Là. Ah ouais. Ouais, ok. Trop plus tard, hein. Je peux parler à lui, non? Je dois me rater. Ah, il y a. Je vous vole ça aussi, hein. Je vole tout, hein. Alors, je suis un peu kleptomane, désolé. Voilà. Ah, mais c'est celle sur le menu. You must be Madame Adams. I know you're here to see the Baron. Oh, c'est ton mec. J'allais dire, il y a une possibilité de romance, mais... Ou je vois trop loin, je pense. Ouais, bah vas-y. It's just the pirate who was hanged this morning. Ah bah voilà, je parlais de romance, tous les coups, ouais, c'était son amant. Bah, mutinerie du cœur, donc ouais, je pense que ça va parler. Même genre, c'était quoi, Sea of Lies? Ok. D'accord, tu sors avec moi. c'est quoi ça? Tu me fais un bisou. Fragment de carte. Tu me fais un bisou. Entre deux femmes, bizarre. Comme ça, elle est mariée avec le baron, ouais. Elle avait une maison avec le pirate, et toi tu t'interposes dedans en mode genre, mais maintenant c'est moi aussi, tu vois. C'est clair. La merde. Y'a pas un comme ça là. Ah oui, parce qu'il devait y en avoir vraiment partout. Ah aussi, si, là, ouais. Voilà, j'aime le voir. Okay. Ah ouais, y'en a partout. Et c'est vrai, une fois que tu sais qu'il y en a un par scène, c'est. Enfin, par. C'est joli chez lui là. J'avoue. Le baron. Y'a quelque chose dans la main, mais je peux pas l'attendre. Y'a pas un. Ah, ça non. Duncan. Ouais. Pas du tout. Ah, je dois attacher quelque chose au bâton. Ah bah tu peux ouais. Je peux cordelette manche à la truc, ça te fait une canne à pêche. Non. Non. Avec ça. C'est pas encore MacGyver, c'est vrai. Ok, bon, il y a une scène là. On peut rentrer ou pas? Ouais. Pour une fois. Je peux faire des scènes. Scénario. I told you the Baron is not to be kept waiting. Ah mais j'ai une scène à faire donc il peut comprendre. Je dois ouais, faire. Ouais mais son jardin est mal rangé, faut quand même que j'aille lui piquer un truc. Hein. C'est clair. Ouais. Par contre c'est mal éclairé. Hein. Il y a juste lui. Il y a lui un peu en fond mais tout le reste c'est noir complet quoi. Je peux prendre ça. Un jour, mais... Putain, on va aller voir le Baron. Non, on vous attend. Mais non mais je peux aller là. Non mais allez-y. Non mais là. Vous... Salut. It's a lui. Pleasure to meet you, madame. Ah, je comprends pourquoi ta meuf elle a une liaison. Hein. Sans vouloir te vexer. Merci, les choses, ouais. C'est très sexiste de dire ça. Hein. Ouais. C'est offensant. Ok. Réputation is one thing, but I must see your value with my own eyes. Okay. Il est dédommagé, mais si c'est du travail, il est juste payé, quoi. C'est pas un salaire. Ah, il m'aide, c'est bien. Je pourrais votre valeur, mais je vais vous aider quand même, parce que... On sait pas. Je pensais que vous étiez vraiment une grosse sous-merde. Tenez, prenez un rubis. Alors, il y a un truc là. Ouais, j'ai vu aussi. Et avant... On peut voir maintenant? Ah, on voit. Ah, ah c'est... Merci. Putain. Il s'emmerde pas, lui. Oh, ouais. Le baron. Le baron. Donc on doit ouvrir son coffre-fort, c'est pas ça, là. D'ailleurs, baron, ça pourrait être l'en du bas, baron. Bon, voilà, ouais. Baron. C'est de la merde. Alors le joyau, il va là. Non. Il en faut 3, donc je pense qu'ils vont aller là. Hein. Ouais, a priori. Ok. Je peux faire ma scène. Bon, on avait du jardinage à faire, non? Ouais, c'est clair. Petite scène ici, voilà. Ah, alors, œil. Putain, c'est bordel. Cadran solaire, il est dans le rond de la genre de fontaine, ah oui. Dans le haut. Marteau, collier de perles. Le serpent, il est dans la partie haut droite. Ah oui. T'as toutes les plantes à côté d'un serpent. Ça, c'est quoi? Il faut que ce soit scellé. C'est pas scellé? Ah non, y'a pas là. Bah, t'as un truc de saut à côté de la pompe de pain. Ah! J'ai pas fait exprès. Ah mince, j'ai trouvé un truc sans vouloir. Mon doigt a ripé. C'est clair. Ok. D'ailleurs, où t'avais le serpent, t'avais aussi une sauterelle. Je savais pas quoi elle a trouvé, mais je l'ai eu. Ah oui là. Juste là.
Oh, je clique là, puis il y a le truc qui part de là. Le visage de genre, wow, what? Il faudra un sécateur qui est sur le banc, couper du des roses devant. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Il y a un autre sécateur, plus utile. Ah, ça c'est pas. Ah non, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Donc il y a besoin de ça. Le parapluie qui est violet, faut ouais, prendre. Ça. Le collier avec une plume aussi. Papillon aussi. Ouais. En ouais, dessous, t'as des lunettes. Dès que tu tiens, un peu les vieilles lunettes. Ah, oui, non. Ça, c'est le mouchoir. Le mouchoir, ouais. Le truc quand c'est des formes aussi, comme ça, tu sais pas, parce que tu vois pas ce qu'il y a dessus. C'est le cadeau. Ah oui. Ah, je sais quoi, putain. C'est pas grave. T'as un collier aussi un peu chelou. C'est pas un collier, mais le truc au milieu là. Ouais. Et t'as la chenille. En vrai, tout ce qui sortait de l'ordinaire sur cette scène. Ah oui, là. Ouais. Tout ce qui était autre que la fadeur du de l'image à la base, c'était ça. La plume, c'est. Faire quoi? Qu'est-ce que je fais avec une. Ah, dans le. Mettre dans l'encre. Ah oui, ouais. Ouais. Je viens d'y penser en voyant l'encre. Plouk, plouk. Et hop, ça va tailler ma poche. C'est ça. Corne, étoile, collier de perles. Collier de perles, non, c'est pas c'est le ça collier dégueulasse. Ouais, voilà. C'est des perles, ça, putain. Il est dégueulasse. On dirait un collier en bonbon qu'on faisait quand on était petit. J'aurais dit en vieille pâte séchée, mais. Le principe. L'étoile, elle est au-dessus du banc. Un peu vers la gauche ouais, du banc. Corne. Corne. Est-ce que c'est pas un genre des cornes, genre une corne de. Ah ça. Ah non, c'est. Ouais, c'est ça. Grosse corne. Grosse corne, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Un bouquin, ouais, super. Du coup, elle est en train de chier, la meuf, devant. Ouais. Elle pleure son amant. Quoi, la baronne est infectée par la pendance aux pirates. Voilà, c'était ça, meuf. Ouais, non, voilà, c'est. Ouais, on est trop perspicace. Elle trompait le baron. S'il le savait. Ouais. Ah, mais il y a un truc, là. Cette plaque semble facile à retirer, il faut trouver un outil. D'accord. Un clepto, hein. Pas avec ça, je pense. On a. Ouais, non, je pense que c'est un peu léger, ça. On peut essayer, mais faut. Voilà. Ok, bon, bah, on va rentrer, hein. Truc là. Qu'est-ce qu'on peut voler, tu vois? Ah, c'est pas un bout de parapluie? Ah, bah oui. Ah, on peut. Oui, on peut. Ouais, donc on peut combiner aussi. Ah. Voilà. Ça fait toute l'animation pour ça, ça fait un peu genre ouais, dans les animés où ils assemblent des trucs, t'as une animation de fou pour un vieux truc naze, tout ça, genre. Au moins ils en ont une, c'est bien. Ils en ont une, c'est vrai que c'est je salue les. L'effort. C'est clair. On peut vraiment faire ça. Bah du coup on peut le choper ouais, avec le bout de la canne. Ah ouais. Chuit. Et hop. Permettez. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pour le. C'est pas les symboles dans le. Peut-être, mais en tout cas, il nous manque de toute façon deux perles, donc. Enfin, deux trucs ouais, à mettre. Donc. Ouais, fuck. En tout cas, oui, il l'a fixé là avec, l'a mis, avec ouais, un clou. Clou, 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 clou. Non, mais je fais rien dans votre calèche, vous inquiétez pas. Putain, il y a plein de trucs à lire. C'est toi qui lis, hein. Après, si tu veux, on lit un sur deux, hein, ça l'a fait, mais. Ouais. Alors, celui-là, on l'a lu. Ouais, celui-là, on l'a lu. Alors je lis celui-là, puis tu lis celui d'après. Allez. Alors, monsieur le baron, le fer requiert mes services de détective, cela m'étonne fort. Un homme de son statut doit être entouré d'une multitude d'experts. Hein. Pourquoi aurait-il besoin de moi en particulier? Tu es quelqu'un d'exceptionnel. C'est ça. Enfin, de nous, nous sommes même une personne schizophrène. C'est ça. La baronne est dans un triste état. Elle m'a confié quelque chose qui laisse à croire qu'elle est le pirate. Exécuté ce matin est une histoire commune. Tu me dis donc. Un fragment de carte. Si ce n'est point un indice cryptique. Ouais. C'est vrai qu'il y aurait pu me filer une carte complète. Hein, ouais, c'est clair, un fragment de carte. C'est vraiment les choses à moitié. Hein. Voici un fait bien établi, le baron ne fait confiance à personne, il souhaite se mettre à l'épreuve mes talents de déduction. La réputation semble m'avoir précédé, je ne suis guère habitué à devoir faire mes preuves. En fait, on est quelqu'un qui résout des enquêtes, ici. C'est ça que le gamin il a pensé à nous direct. Ouais, possible. Cependant, ouais, comme tout à chacun, j'espère aussi un bon divertissement. Je soumettrai gentiment son épreuve. Pouh. Au-dessus de ça. Au moins, c'est pas genre résolution de meurtre, c'est je fais ça pour le fun. C'est clair. C'est déjà ça. C'est ça. Il s'agit, semble-t-il, d'un code. Lors du trajet dans calèche, il me semble avoir vu tes symboles sur la boîte à gants.
Nice. En effet. C'est vrai, le coffre. Ok. Bah, on va s'arrêter là. En vrai, mine de rien, on fait beaucoup de trucs. Hein. Je pensais qu'on avançait pas beaucoup parce qu'on a fait une longue présentation au début. En fait, il se passe plein de trucs. Ouais, c'est clair. Et ça promet vraiment. Ah, il y a un truc de livre là. Si on le fait maintenant. Oh, ça doit être rapide. Ça doit être rapide. Ça va juste mettre un livre, ça va. Ouais, il faut reconstituer le. Franchement, easy. Même pas je t'aide. ça change pas. Ah merde, pourquoi ça change pas là? Ah, il faut que je déplace comme ça, d'accord. Donc ça, là. Ça, là. Ça, là. Oh, cette difficulté. Oh là là. Ah, voilà un joyau. Tu m'as caché, hein. Ah, j'ai prouvé ma valeur, hein. C'est facile de prouver sa valeur. Hein. Je t'ai volé ça, hein. tu m'en veux pas. Bah, je suis obligé. Hein. Voilà, donc on récupérera le dernier joyau la prochaine fois. Super. Voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes, des commentaires à partager. À la semaine prochaine, les amis, pour la suite. Ciao, ciao. Salut.